Chers collègues, au nom de Renouveau et Démocratie, je tiens à vous présenter tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et je vous remercie de votre fidélité et de votre présence aujourd'hui. Je remercie également Marie Pezet d'avoir accepté notre invitation et de partager son expertise avec nous. Je me présente Dikra Chaouch. Je suis en charge du volet prévention des risques psychosociaux à R&D. Marie Pezet est docteure en psychologie. Elle est psychanalyste, ancienne experte judiciaire. Elle est responsable du réseau de consultation Souffrance et Travail et également auteure de nombreux ouvrages ayant un trait au monde du travail. Donc Marie intervient régulièrement lors de nos conférences, des lundis de la prévention des risques psychosociaux. Vous pouvez retrouver tous les replays sur notre site ou alors sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, Marie va intervenir sur un sujet d'actualité, surtout en cette période de, on va dire, travail à domicile forcé et de pandémie, l'hyperconnectivité et ses conséquences. Sommes-nous esclaves ou athlètes de la quantité? Comment se déconnecter afin de préserver notre santé? C'est ce que va aborder Marie Pezet et ce qu'elle va nous éclairer effectivement sur ce sujet. Donc, je tiens à rappeler les prochaines conférences avec Marie Pezet, les lundis de la prévention des risques psychosociaux. Donc, ce sera lundi prochain, le 24 janvier. Ne pas pouvoir faire son travail correctement, quelles en sont les conséquences? Et le lundi 7 février, sur les principales transformations dans l'organisation du travail. Donc, maintenant, je vais céder la parole à Christiane Sébastiani, présidente de Renouveau et Démocratie, qui va vous exposer plus en détail nos actions politiques. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci. Je commence par deux préalables. Le premier, c'est toutes les félicitations que nous t'adressons, Marie, ensemble à tes collègues, pour que le réseau Souffrance au travail ait été gratifié de la reconnaissance qu'elle méritait. C'est la Légion d'honneur, nous connaissons tous l'importance en France. Donc, c'est une reconnaissance qui démontre toute la qualité, l'excellence de votre travail, mais qui démontre aussi toute la valeur ajoutée des conférences que tu nous octroie l'honneur d'organiser avec nous. Une deuxième promesse que j'ai faite, en revanche, aux collègues de Barcelone et à la famille de notre pauvre collègue, parce qu'ils me demandent sans cesse de te remercier énormément pour tout ce que tu as pu faire, pour tes participations à ces conférences. Et Mal. chaque fois, ils me demandent, mais est-ce que tu l'as bien remercié? Alors, je leur ai dit, je vais le remercier lors de la prochaine conférence qui sera enregistrée, comme ça, en accédant au site, vous allez pouvoir vérifier que je l'ai fait et c'est un travail qui continue. Nous allons en discuter ensemble. Aujourd'hui, nous abordons un souci qui est très, très ressenti par nos collègues. Il est clair que la déconnexion est une exigence qui se fait de plus en plus ces jours, notamment dans la phase de pandémie où tout le monde est passé soudainement en télétravail. Et le télétravail a été conçu par pas mal de managers comme étant la mise à disposition permanente des collègues qui peuvent être rejoints, appelés à tout moment. Et pour rester dans ton domaine d'activité, dans la schizophrénie des institutions européennes, nous avons été confrontés d'un côté au Parlement qui a établi un projet de résolution très clair sur le droit à la déconnexion de chaque travailleur, sur la nécessité de mettre en place des procédures pour protéger les travailleurs paritaires avec un rôle important pour les syndicats, des droits de recours. Et en parallèle, en demandant le Parlement à la Commission de mettre en œuvre cette résolution auprès des États membres, et en parallèle, nous avons été saisis d'un projet de décision de la Commission pour son propre personnel, qui était étonnamment muet sur le droit à la déconnexion. Il faisait même pas un renvoi à la décision du Parlement. Tout au long de la négociation, nous avons mis en avant cette exigence et nous avons, grâce à ton aide, à l'aide de tous les autres collègues qui nous ont accompagnés dans ce processus, mentionner les meilleures pratiques au niveau national, l'expérience en Allemagne où on arrête les ordinateurs, où on permet même pas physiquement d'avoir accès à son propre réseau, l'abus de ce qui est urgent. On a essayé d'établir un principe que l'urgence ne peut pas être les caprices d'un membre de l'encadrement, ne peut pas être les retards dans la gestion d'un dossier, ne peut pas être dormir sur un dossier, se réveiller à 11 h du soir en prétendant que c'est urgent, ou alors les caprices d'un membre du cabinet qui se réveille soudainement et qui demande un briefing pour le lendemain alors que tout cela n'a jamais été demandé.
Des pas en avant ont été faits dans les projets de décision, mais il est clair que la question est une question surtout de mise en œuvre. Parce que lorsqu'il est question de rédiger des règles, les règles ne peuvent pas exclure les urgences, ne peuvent pas non plus décrire dans les détails ce qu'est une urgence. Et c'est pour ça que nous avons obtenu, et je le mets vraiment parmi les résultats les plus importants, nous avons obtenu la mise en place d'un comité paritaire qui sera chargé de la mise en œuvre de cette décision pour vérifier et constater tous les abus et éventuellement toutes les améliorations qui s'imposent. Dans ce cadre, la conférence d'aujourd'hui va être absolument essentielle pour que nous puissions continuer à alimenter notre réflexion et surtout à faire des propositions crédibles qui reposent sur les meilleures pratiques nationales et sur l'avis des meilleurs experts en la matière, dont tu es sans doute parmi les meilleurs. Donc, merci encore et nous sommes là avec tous les collègues pour essayer de voir comment ces principes peuvent être mis en place. Merci encore. Alors, je vais essayer d'aborder la question quand même de façon large et en étant un peu dans les temps avant l'apparition de la pandémie et ce travail à domicile forcé, qui n'est pas du tout du télétravail, pour revenir à l'apparition de ces nouvelles technologies, parce qu'en fait, une frénésie s'est emparée de notre époque. Il faut absolument arriver à comprendre que jusqu'alors, les outils que l'être humain avait fabriqués ont toujours été le prolongement des capacités de nos différents organes, la capacité de voir plus loin que l'œil, de toucher plus loin que le bras, d'entendre plus loin que l'oreille. Et à ce titre-là, l'homme s'est montré un génie dans l'invention de prolongements techniques et technologiques de sa sensorialité. Mais là, avec les nouvelles technologies, le rapport s'est inversé. Nous avons trouvé nos maîtres. Ce sont les outils technologiques qui nous ont kidnappés en retour et qui, malheureusement, nous imposent leurs exploits et leurs limites qui sont illimitées et qui nous obligent donc à travailler toujours plus vite, en tout cas beaucoup plus vite que ce que la vitesse du corps humain n'autorise, et puis avec les exigences de l'organisation du travail, comme ça a été pointé tout de suite, tout est devenu TTU, très très urgent, sauf que de surcroît, ces outils technologiques sont aussi ceux de notre vie privée, de notre vie personnelle, et nous avons tous pu contempler ces restaurants où chacun est rivé à son smartphone. Tous ces enfants scotchés à leurs jeux vidéo au lieu d'être sur des terrains de jeu réels qui, eux, sont désaffectés, ces salariés connectés jour et nuit à l'intranet de leur entreprise pour arriver à suivre le rythme demandé. Donc, nous sommes tous, de toute façon, hyper connectés dans tous les secteurs de notre vie et du coup, ce qui était déjà devenu compliqué, faire une espèce de séparation un peu hermétique entre l'énergie que je consacre au travail et puis l'énergie que je vais consacrer à ma vie privée, bien évidemment, tout ceci est passé dans une porosité complète, de surcroît devenue invisible, puisque le smartphone peut servir à la fois à répondre aux mails de l'entreprise comme aux textos privés. Et d'ailleurs, je suis sûre que si on faisait un sondage, là, non seulement vous êtes connectés pour m'écouter, mais je suis sûre que vous avez tous un œil sur votre smartphone pour voir les éventuels messages fondamentaux que vous pourriez recevoir. Seulement, si on pouvait faire le sondage de vous faire lever la main, je vous dirais, là, puisqu'on est à peu près 90 participants, qui d'entre vous n'a aucun problème de mémoire, aucun problème de concentration, qui se sent d'une fraîcheur cognitive absolue? Même moi, je ne pourrais pas lever la main. Et donc, quand je vous parle de frénésie, c'est parce que pour satisfaire l'insatiable productivité qu'on nous demande, le rythme de travail s'est intensifié bien au-delà des limites de ce corps que j'essaye de vous présenter à chaque conférence comme un corps vulnérable, justement parce qu'il est humain, avec des règles chimiques, physiologiques qu'il faudrait respecter pour rester en bonne santé. Seulement, voilà, comment
faire autrement que d'être des esclaves de la quantité pour ne pas risquer de perdre son travail, pour ne pas être là sur le quai de la gare à regarder un train qui passe à toute vitesse et dans lequel on risquerait de ne pas pouvoir monter si on ne suivait pas ce rythme. C'est la rançon de la nouvelle économie de marché. Et donc, vous voyez bien que toutes les pathologies liées à l'hyperconnectivité, dont le burn-out fait partie, ne doit rien au hasard. C'est vraiment le reflet des excès de notre époque, de cet envahissement, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qui fait que nous vivons au-dessus de nos moyens. La planète, on le sait désormais, tourne au-dessus de ses moyens. Nous vivons au-dessus de nos moyens physiques et psychologiques. Je vous l'ai déjà répété dans des conférences précédentes et je le redirai à chaque fois, celui qui s'en sort dans les organisations du travail moderne n'est pas comme autrefois, le plus intelligent, le plus titré, le plus diplômé, celui qui a les skills physiques les plus extraordinaires, c'est le plus rapide. C'est celui qui travaille le plus vite. Parce que partout dans les nouvelles organisations du travail, le point, essentiel de modification, c'est l'augmentation de la cadence des tâches à accomplir dans tous les secteurs professionnels, hein, manuels, intellectuels, dans le tertiaire, dans le commercial, à votre niveau, dans les administrations, partout. Et c'est un niveau d'intensification du travail qui nous pulvérise. Alors, les effets de cette hyperactivité cognitive sont très connus et délétères. Épuisement physique et psychique, troubles du sommeil, troubles de l'éveil, troubles de l'attention, troubles de la concentration, troubles de la mémoire du travail, puisqu'il se trouve que nous avons une mémoire spécifique qui est celle qui est convoquée pour faire le travail, troubles cardiovasculaires, hypertension, accident ischémique, AVC, accident du travail, parce que quand on va vite, hein, c'est ce qui peut arriver. Et puis toutes les conduites addictives aux produits qui vont permettre de tenir et de booster j'ai envie de dire, une alerte cognitive générale qui faiblit. Ça va du Red Bull qu'on avale avant chaque réunion, en passant bien évidemment par les amphétamines, la cocaïne, avec le soir. Tous les autres produits pour redescendre, parce que c'est pas tout de s'être hyper excité pour répondre à la demande. Encore faut-il le soir tenter de trouver un peu l'oubli. Alors, la définition de notre super dictionnaire, le GAFIO, elle est intéressante parce que l'étymologie de l'addiction, l'addictus, c'est un esclave à cause de la dette qu'il a contracté. Et on voit bien comment, du coup, l'addiction elle-même, c'est l'attribution de la personne du coupable ou d'une chose revendiquée par la sentence du prêteur. Et là, on voit bien comment, quand on est obligé de se doper pour tenir la vigilance cognitive permanente, totale qui nous est demandée, eh bien, nous enfonçons le corps dans des situations de contraintes absolument épouvantable. Alors, quand on est un clinicien du travail, bien évidemment, ah, ça y est, je vais déjà avoir un souci pour faire avancer mon diaporama. On va y arriver. Voilà. C'est toujours moi qui ne sais pas m'y prendre. Quand on est clinicien du travail, mais je suppose aussi quand on est chef d'entreprise ou manager, attendez, attendez, vous mettez tout sur le dos de l'organisation du travail. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Mais ne croyez pas que nous ne nous posions pas la question. Bien sûr que nous avons des sujets qui viennent consulter et qui sont dans l'hyperactivité structurelle, qui se shootent au travail, comme d'autres se shootent à la drogue. Seulement, ce qu'on voit aussi, malheureusement, beaucoup, c'est les causes organisationnelles qui orchestrent l'assujettissement de nos corps et de nos psychismes pour une présence au travail et une productivité sans cesse accrue. Alors, je vais passer relativement rapidement sur ces nouvelles organisations du travail, puisque j'en reparle dans 15 jours, mais il faut savoir que tout de même, le premier taylorisme dit organisation scientifique du travail avec ses méthodes de surveillance, de contrôle, d'encadrement,
ont été finalement délaissés pour des méthodes qui subjectivement viennent davantage nous capturer, comme obtenir l'engagement du travailleur en lui laissant entrevoir une reconnaissance de l'entreprise, comme bien évidemment des objectifs individualisés qui vont semer le chacun pour soi, comme le pilotage par l'aval qui permet de confronter le pauvre salarié ou le pauvre fonctionnaire directement à la demande du public, comme un management qui n'est plus qu'une gestion des performances, comme souvent un envahissement de la coordination des tâches par le numérique et par une procéduralisation terrifiante de lourdeur, par des réorganisations permanentes supposées améliorer le travail. Non, non, mais vous allez voir, on ne peut pas embaucher, mais on va réorganiser. Et là, on touche à quelque chose d'essentiel sur quoi je reviendrai. Lorsqu'on est un bon professionnel, on travaille par corps. Lorsqu'on est quelqu'un qui a du métier, on fait les choses grâce au fait qu'on a, avec la répétition des gestes et des situations professionnelles, engrammé dans la neurophysiologie les process de travail. Ce qui fait qu'un danseur étoile va faire une arabesque tout à fait légère en apparence, qui ne donnera pas accès aux milliers d'entorses et aux milliers de doigts de pied cassés ou sanglants et à toutes les courbatures qu'il aura dû éprouver avant d'arriver à cette facilité. C'est la même chose pour nous. Moi, avant d'arriver maintenant à la capacité que j'ai lorsque je vois un patient rentrer, de regarder les gouttes de sueur sur son front, d'entendre son cœur qui bat, de le voir anxieux sur la chaise avec le pied qui tape au sol, de voir le thorax bloqué par l'angoisse et au fond de comprendre en quelques secondes, parce que j'ai des kilomètres de patients derrière moi, de quelle angoisse il est atteinte. C'est la même chose dans votre travail. Voilà, quand on est un senior ou un professionnel qui a encore une fois des années de métier, le travail est devenu une seconde nature et ça permet de faire les choses de façon fluide. Si on réorganise en permanence notre travail, si on le change tous les 3 mois, si on modifie les procédures, l'organisation des équipes ou même le contenu des projets en question, cela nous transforme, Daniel Linhart le dit très bien, en novice permanent, c'est-à-dire en quelqu'un qui ne sait plus comment faire son travail, qui va donc être plus lent, qui va commettre des erreurs et qui va devoir surtout recourir à un coûteux travail mental pour arriver à faire correctement un travail qui auparavant était totalement mémorisé par le corps. Vous avez peut-être vu sur Internet cette vidéo d'une très vieille dame qui est dans un fauteuil roulant et qui est atteinte d'Alzheimer, qui ne peut plus parler et à qui son neveu fait écouter la musique du lac des cygnes, parce qu'elle a été ballerine et qu'elle a interprété le rôle principal. Cette femme, très âgée, qui est enfoncée dans son fauteuil, qui a l'air d'être absente à elle-même, au bout de quelques secondes d'écoute de sa partition, se réveille et se met à faire tous les gestes qu'elle exécutait en tant que ballerine. Et donc, il n'y a rien de magique dans tout ça. Il est important que vous sachiez que même dans les états d'Alzheimer, les mémoires du travail, les mémoires procédurales, les mémoires des procédures de travail sont celles qui ne disparaissent jamais. Et donc, c'est important de laisser quelqu'un les mémoriser, ces fameuses mémoires, les imprimer. Si on change tout le temps sa manière de travailler, il n'y arrive pas. Il devient donc incompétent, encore plus sensible aux critiques. Et vous voyez comment les nouvelles organisations du travail sont même capables de venir chercher ça. N'imaginez pas qu'elles ne soient pas au courant, de ce que ça produit. Inutile de vous dire aussi que toutes ces organisations du travail, beaucoup trop rapides, vont produire du travail dégradé sur lequel on reviendra lors de la prochaine conférence, parce que mal travailler, faire du mauvais travail, ça entame notre santé. En tout cas, on voit comment en 2022, le fait d'organiser le travail comme on le fait de façon soi-disant moderne, en évaluant de surcroît le travail de chacun d'entre nous
avec des tableaux Excel, avec des objectifs chiffrés, avec ce que j'appelle une grammaire gestionnaire et chiffrée, qui ne rend absolument pas compte de ce que nous allons y investir, et bien que tout cela, forcément, nous renvoie à de très, très grandes difficultés. L'impact du numérique n'est pas qu'un impact purement lié au progrès, c'est aussi l'importance qu'on donne à ces outils qui sont les outils qui permettent d'évaluer la quantité de travail que nous effectuons. Sauf que on voit bien que du coup, la production de valeur n'est plus du tout issue de notre travail, elle est issue des purs résultats chiffrés, qu'on essaye de nous les vendre tristement avec ce relooking permanent des termes managériaux, manager, reporting, objectif, performance, qui sont très loin d'être des termes neutres qui servent à définir la nouvelle réalité de ces organisations du travail. En tout cas, il est important que chacun d'entre vous soit persuadé que tout ce qu'il met dans son travail, vous y mettez votre sensorialité, vos muscles pour tenir toute la journée assis devant un écran, vos efforts cognitifs, votre endurance, votre honneur à y arriver quand même, cette conscience professionnelle qui va finir par devenir une pathologie, votre intelligence du corps aussi, tout ça n'est absolument pas pris en compte par les outils de la grammaire financière, les tableaux, les algorithmes, le reporting permanent, le contrôle de gestion. Et là, vous voyez comment les nouvelles technologies de l'informatique sont devenues une laisse électronique encore plus puissante que le lien de subordination juridique lié au contrat de travail. Et que du coup, tout ce que vous rajoutez qui n'est pas pris en compte va être déplacé pour donner une place centrale à votre rythme, votre cadence, vos flux toujours tendus, l'absence totale de délai et une nécessité de toute façon de surproduire en permanence. Alors, je reviens toujours hein, sur notre enquête sommaire parce que celle de 2019 montre l'aggravation de 5 points supplémentaires par rapport à la précédente et je reviens toujours sur cette diapositive unique et essentielle qui montre bien que les salariés français, mais probablement comme vous et dans tous les pays européens, se plaignent de choses très spécifiques et pas que de rencontrer des pervers narcissiques, de ne pas avoir la formation pour faire correctement le travail, de ne pas avoir les moyens matériels pour le faire, de plus pouvoir coopérer, discuter ensemble de la manière de travailler, de ne plus avoir suffisamment de collaborateurs et surtout que les informations ne soient jamais claires et suffisantes. Bien sûr, quand on donne tellement d'importance à la procédure purement informatisée qu'il n'y aurait qu'à suivre pour y arriver, qu'à suivre le merveilleux logiciel sur lequel on ne vous a jamais demandé votre avis. Comment pouvez-vous faire remonter qu'en fait, le logiciel ne marche pas? Moi, ce qui m'étonne, c'est que dans ce monde d'algorithmes qui s'éloigne de plus en plus du réel du travail, nous arrivions tous quand même encore à trouver en nous des ressources exceptionnelles pour y arriver. À l'hôpital où on a mis en place la tarification à l'acte, la chirurgie ambulatoire, le lean management. Eh bien, avec la charge supplémentaire de la pandémie, nos soignants arrivent encore à soigner. Et pourtant, les patients traités par un chirurgien ne sont plus qu'un nombre d'actes, avec un temps précis pour faire l'acte chirurgical. Le travail du chercheur, c'est combien d'articles publiez-vous par an? Vous, c'est combien de dossiers arrivez-vous à traiter? On voit bien que le monde rêvé par les bureaux des méthodes est un immense tableau de bord qui gérerait le monde entier, où le reporting sur notre travail serait fait à la nanoseconde, puisque nous sommes en permanence connectés et que donc notre hiérarchie peut savoir si nous sommes au travail devant l'écran ou pas. Et donc, je le redis parce que c'est important de le dénoncer, c'est la première fois dans l'histoire de l'homme que nous avons fabriqué des outils qui nous kidnappent en retour et qui malheureusement vont avoir des conséquences sur notre santé extrêmement graves.
Bien sûr, les nouvelles technologies de l'informatique, ce qu'on appelle les NTIC et de la communication, ont depuis leur apparition fait naître des contraintes très fortes pour les rythmes de travail. Et pourtant, moi qui ai 70 ans et qui ai connu à l'hôpital la secrétaire qui prenait en note ce que le chirurgien dictait, puis l'apparition de la machine à écrire, puis du premier ordinateur, si vous saviez à quel point on a pu se dire à l'époque, mon Dieu, mais c'est merveilleux, ces machines travaillent beaucoup plus vite, on va dégager du temps pour faire autre chose. Eh bien non, vous faites tous le même constat. Les machines ont généré du temps pour faire du travail sur ces machines. C'est effrayant. Augmentation de la cadence de travail, densification des tâches, parce que vous êtes sur la machine, mais vous devez répondre aux autres, au smartphone qui sonne, à la personne qui éventuellement va taper à la porte. Vous devez aussi, bien évidemment, vous débrouiller avec cette nouvelle porte qu'est l'écran. Quand vous avez des mails en permanence qui arrivent toute la journée, dont on discutera l'utilité et la rationalité, hein, c'est quand même extrêmement différent le clic qui tombe de la personne qui va taper à la porte et où là vous pouviez encore dire pas maintenant ou bien je réponds pas parce que j'ai pas le temps de la recevoir. Qui d'entre vous va renoncer à ouvrir le mail qui vient de tomber sur son écran? Ce n'est pas possible, on le sait, parce que si on ne l'ouvre pas, 5 minutes après, il y en a un second pour nous rappeler à l'ordre. Et donc, qu'est-ce que ça fait au psychisme humain? Au-delà de la charge, de l'anxiété que ça déclenche de ne jamais être à jour, ça modifie la barrière entre le dedans et le dehors. L'autre y rentre en vous tout le temps, à cause de ces ordinateurs. Il n'y a plus de distance possible face à l'intrusion de l'autre dans votre espace professionnel. Alors, je n'ai pas besoin de broder du coup sur ce que la pandémie a généré, c'est-à-dire être obligé de travailler à domicile, de chez soi, dans un télétravail obligatoire, avec l'école à la maison, les tâches domestiques à assurer. Car là, du coup, forcément, la porosité est devenue complète entre la vie privée et la vie professionnelle. En France, le premier confinement lourd a duré 4 mois. Les chiffres sont tombés dans le mois qui a suivi. Il y a eu chez les femmes 45% d'augmentation des infarctus du myocarde parce que les femmes devaient se connecter, faire l'école à la maison pour les enfants, assurer les tâches domestiques et dégager l'époux qui travaillait. Donc souvent, elles se connectaient quand tout le monde était couché. Cette triste statistique a été très vite enlever des sites scientifiques, même si fort heureusement, grâce à Internet, on la retrouve encore. C'est dire à quel point la construction de l'ignorance de l'impact de l'hyperconnectivité est malheureusement extrêmement à l'œuvre. Cette porosité, elle est très embêtante parce que on voit bien comment nous tous, entre notre téléphone cellulaire, les mails, l'ordinateur portable, est-ce que nous savons encore à quel moment nous sommes au travail et à quel moment nous n'y sommes plus, y compris dans un avion, dans un train ou même dans la salle d'attente d'un médecin où moi maintenant je croise des jeunes femmes avec leur ordinateur sur les genoux en train de finaliser le rapport pendant le temps d'attente du médecin. Parce qu'il faut optimiser chaque seconde de la vie. Autrefois, le travail ne se jouait pas de la même manière. Autrefois, le salarié était un tout petit peu maître de son temps hors travail. Il n'était pas du tout du temps dans l'entreprise ou à l'usine. Mais quand les bureaux fermaient le vendredi soir, ce qui allait se passer dans la soirée ou le week-end appartenait encore à celui qui travaille. Bien évidemment, vous le savez, nous ne sommes plus du tout dans ce cas de figure. On sait qu'au travail, un cadre est interrompu toutes les 3 minutes. On sait qu'un cadre est obligé de convoquer 3 types de tâches en même temps, quel que soit le moment de la journée de travail. On sait que donc, pour éviter d'avoir une insomnie dans la nuit, le dernier mail qu'on va lui envoyer beaucoup trop tard et qui est soi-disant une demande extrêmement urgente, eh bien, il va se résigner à y répondre
pour tenter de se coucher et de dormir sur ses deux oreilles avec une conscience judéo-chrétienne un peu en paix. Pareil pour les demandes qui arrivent le samedi et le dimanche. Et là, on voit bien comment il revient aux directions des institutions ou des entreprises d'obtenir une déconnexion mécanique de l'intranet pour laisser les cerveaux se reposer. Il faut quand même hein, que vous compreniez que toute notre civilisation concourt à disqualifier la fatigue, à disqualifier le sommeil et le repos. On sait que l'armée américaine est en train de tenter d'isoler l'hormone produite par un petit oiseau dont j'oublie toujours le nom, qui peut voler 3 jours d'affilée, parce que s'il arrivait à extraire cette hormone, cela voudrait dire hein, qu'on peut priver les soldats de sommeil hein, et que ça diminue du coup, bien évidemment, le nombre de soldats qu'on envoie. On peut tout à fait imaginer un scénario similaire quand on se souvient que dans beaucoup d'usines, quelquefois même les médecins du travail distribuaient ce qu'on appelle le pot, c'est-à-dire un mélange qui contenait des boosters d'énergie productiviste. Donc, le corps dans l'organisation du travail, c'est pas le vôtre. Le vôtre, il est animé par des moments d'épuisement, de fatigue, de relâchement, d'oubli, de rêverie, de force, d'énergie, d'engagement. Il a ses aléas, il a aussi ses moments, bien évidemment, de sécrétion hormonale. L'organisation du travail, elle veut un corps inoxydable, insomniaque, engagé totalement dans la tâche de travail, c'est-à-dire un corps qui n'est pas humain, d'où ce que je vois fleurir absolument partout dans tous les salons consacrés à soi-disant la prévention de la santé au travail, des exosquelettes pour booster encore plus, des entraînements quasi militaires pour booster l'endurance, et même le transhumanisme hein, qui vise, pourquoi pas, à remplacer ces humains qui doivent dormir, manger et un peu vivre à côté du travail par des robots qui n'auront besoin que de simple maintenance. Ce premier dégât, il est tragique, hein, vous l'avez compris, parce que quand la porosité est complète entre la vie privée et la vie professionnelle, vous n'avez plus le temps de penser. Et si vous n'avez plus le temps de penser, vous n'avez pas le temps de faire un pas de côté pour vous demander dans quel état vous êtes, hein, pour regarder même le collègue d'à côté qui ne va pas mieux que vous, ou peut-être un peu plus mal, et qu'il faudrait rattraper par la peau du cou avant qu'il commette un acte irrémédiable ou avant qu'il ne s'effondre. Vous prendre votre temps de penser par cette hyperactivité appuyée sur l'hyperconnectivité est une stratégie d'une efficacité redoutable. Le deuxième dégât de l'hyperconnectivité, vous l'avez compris, c'est que vous êtes évalué sans arrêt. Les Américains pensent très logiquement à supprimer les entretiens annuels, chronophages, compliqués à organiser, parce qu'au fond, là, on sait tout le temps, 24 heures sur 24, si vous êtes en train de travailler ou pas. Donc, pourquoi se casser la tête à organiser des entretiens spécifiques? Dans beaucoup d'entreprises du BTP en France, en ce moment, ce que les médecins du travail français dénoncent, c'est qu'on demande à l'ouvrier sur le chantier en train de déverser du ciment, de prendre une photo du chantier toutes les 15 minutes pour l'envoyer à la direction. C'est-à-dire que votre bétonnière est en train de couler du béton et là, il faut vous interrompre pour prendre la photo. Cette volonté constante de contrôler, contrôler, contrôler le travail est totalement intriquée à bien évidemment l'intelligence des outils numériques. Et vous comprenez bien que cette évaluation permanente que la pandémie a rendue encore plus efficace vous isole les uns des autres. Vous êtes connectés derrière vos ordinateurs en travail forcé à domicile ou en télétravail. Où est le collectif de travail pour vous soutenir? Où est le collègue avec lequel vous pourriez avoir un temps complice ou un temps d'échange? Où sont les espaces de délibération
sur la complexité du travail. Et du coup, alors qu'autrefois, on pouvait peut-être encore construire des solidarités collectives pour tenir au travail, nous voilà tous renvoyés à ces pathologies de la solitude qui, tristement, aboutissent à des suicides. Du coup, les défenses que vous allez construire vont être des défenses individuelles au lieu d'être des défenses collectives. Et ce n'est pas en faisant une conférence dans le cadre d'un syndicat que je vais bien évidemment vous dire l'inverse. C'est la puissance de la réaction collective qui fait la force, sûrement pas la petite stratégie éventuellement de développement personnel derrière l'écran. Le troisième dégât, ça va être cet envahissement et les pathologies de surcharge. Je vous disais tout à l'heure que l'organisme a besoin de fonctionner par des cycles, des alternances de veille et de sommeil. Il a des pics de production de certaines hormones à des moments spécifiques. Et donc, si on soumet l'organisme humain à cette hyperconnectivité qui derrière est aussi la demande hiérarchique, hein, avec la peur de perdre son travail, eh bien, votre organisme va fabriquer des toxines. Il va mobiliser une quantité de cortisol tout à fait excessive pour être sur le pied de guerre toute la journée. Ce corps inoxydable que j'évoquais tout à l'heure et qui n'existe pas, ce corps qu'on essaye de faire travailler en éliminant les temps dits morts, qui sont pourtant probablement les temps les plus vivants du travail, eh ben, vont avoir des conséquences tragiques sur l'état de santé. Sur le versant cognitif, cette hyperconnectivité et ce qu'elle suppose d'une hyperproductivité va vous mettre dans une instantanéité d'exécution des tâches. Votre cerveau va être obligé de traiter en permanence une masse phénoménale d'informations, les emails, les appels, les textos, les notifications, toutes les sollicitations et les opérations mentales que chacune de ces demandes de l'organisation va enclencher. Tout ça fait que vous charriez, il n'y a pas d'autre mot, un torrent de charge mentale absolument colossale. On sait par les chiffres que 30% de la journée d'un salarié se passe à gérer ses mails, qu'un cadre sur deux n'arrive pas à se déconnecter. Comment s'étonner donc que vous présentiez des troubles cognitifs? Alors, j'ai beaucoup parlé de ce livre tout à l'heure avant de commencer la conférence parce qu'il est remarquable sur la description qu'il donne. Il évoque beaucoup la dispersion que l'hyperconnectivité génère et l'auteur explique bien qu'il existe au moins deux natures de dispersion. La première, c'est quand on est sollicité de manière tellement multiple dans un temps très très serré, de l'ordre de la seconde, de la minute ou de l'heure, qui fait que le cerveau est submergé par la quantité de tâches à enclencher. L'autre dispersion, c'est moins de sollicitations, mais qui chaque fois vont enclencher un travail plus long sur le moyen ou sur le long terme et vont enclencher un mécanisme que les neuropsychologues décrivent bien et qu'elles évaluent dans les bilans neuropsychologiques que nous faisons faire dans les états d'épuisement, ce qu'on appelle le switch, c'est-à-dire switcher d'une taille à une autre. Si vous êtes obligé en quelques minutes de switcher sur 4 ou 5 tâches, c'est comme si vous preniez des parties de votre cerveau que vous déplacez sans arrêt. Comment vous étonner que certains deviennent totalement fous? En tout cas, vous comprenez bien que dans un tel contexte, l'expression tenir n'est pas qu'une métaphore. Tenir, c'est tenir sa posture toute la journée, tenir la contraction de ses muscles, tenir son code cortisol, tenir ses battements cardiaques, et que bien évidemment tout ceci va avoir des conséquences dramatiques. Si vous doublez ces questions totalement physiologiques, organiques, de la charge psychique que constitue cette demande excessive, quel est le salarié qui pourrait contester cette surcharge s'il le fait tout seul? Au fond, quand on vous demande de faire plus que ce que vous ne pouvez faire, quand les objectifs sont des objectifs inatteignables, on vous place en situation de faute prescrite.
Cela veut dire que tous les jours, devant votre écran d'ordinateur, quand vous l'allumez, vous pouvez avoir des sueurs froides. Vous pouvez avoir déjà mal au ventre. Vous pouvez déjà avoir cet étau qui serre votre cerveau parce que de toute façon, vous n'avez pas pu finir les tâches de la veille et vous allez devoir démarrer votre journée en étant, entre guillemets, dans l'absolu, un mauvais salarié. Ne pas arriver à faire correctement son travail, ne pas arriver à se coucher le soir en étant à jour, nécessite, quand nous recevons les salariés en grande souffrance, de leur expliquer que c'est l'organisation du travail qui est construite à flux tendu, que comme il n'y a pas de pause, le flux ne s'arrête jamais, que donc ils n'arriveront jamais à être à jour de leur travail, et que si par miracle, en se poussant, ils y arrivaient, on rajouterait 20% d'objectifs à atteindre à leur fiche de poste, parce que justement, ils sont trop bons. C'est important hein, d'arriver à faire comprendre aux salariés le piège dans lequel on le place systématiquement pour obtenir qu'il travaille beaucoup plus. En tout cas, qu'a produit sur le long terme ce type d'organisation du travail? On voit chez les jeunes une diminution très nette, parce qu'ils sont aussi beaucoup trop connectés sur tous leurs outils, de la durée moyenne de concentration. Ils n'en sont plus capables. On sait, parce qu'on a fait des études, qu'en fait, c'est très compliqué de répondre à la fois au téléphone et d'écrire en même temps. Parce que les deux activités vont solliciter le même réseau de langage. Et qu'alors il va saturer et qu'une des deux activités va pâtir. Vous voyez, si on avait des ergonomes et des neurophysiologistes dans les services de santé au travail, ils pourraient donner aux directions des directives sur comment est-ce qu'on gère ce flux organisationnel. Mais on n'en a pas et on n'en embauche pas. Et donc, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres conférences, les pathologies qui vont en découler sont des pathologies de surcharge, stress, anxiété, troubles cognitifs, état de stress aigu. C'est quoi les A? Les médecins conseils français sont très, très, très à l'écoute des souffrances au travail parce qu'ils voient le coût généré sur le système de solidarité collective qui est le nôtre. Ils ont défini en 2011 le contenu, la définition de ce que je vais appeler les pétages de plomb. Car quand vous travaillez comme ça, à flux tendu, le dos au mur sans arrêt, avec une sollicitation permanente et qu'on vous demande trop, l'organisme va exploser et votre psychisme aussi. Et donc, ça peut être l'évanouissement, la crise de nerfs, l'ordinateur qu'on renverse. Bref, tout d'un coup, une surcharge telle de l'être humain qu'il en vient à exploser en plein vol. Et j'ai eu ça la semaine dernière. J'ai reçu une patiente cadre de très haut niveau en télétravail qui, au décours d'une réunion par visio, avait été tellement malmenée qu'elle s'est évanouie au pied de son ordinateur. Son mari, qui était aussi en télétravail, heureusement, a pu appeler nos urgences françaises. Et bien, cet évanouissement à domicile, devant un témoin, a été déclaré, bien évidemment, en accident du travail. En tout cas, en France, nous sommes assez avancés sur ces questions-là pour que ça ne pose pas de problème. Les décompensations violentes sont aussi manifestes hein, quand vous poussez les gens à bout. Ça va être la violence contre l'usager, entre collègues, contre l'outil de travail, contre l'encadrement. Et puis, les décompensations somatiques qui sont massives. C'est-à-dire que vous qui ne portez pas de sac de ciment, toute la journée sur un ordinateur, le cortisol va générer d'abord des douleurs sur vos articulations et vos muscles, puis de vrais troubles musculosquelettiques. Il va aller charger votre cœur et déclencher des AVC ou des infarctus. Il va solliciter votre pancréas. Ne me dites pas que vous ne grignotez pas du sucre et du gras toute la journée et donc générer soit des diabètes insulinodépendants, soit des syndromes métaboliques. Et puis, ce cortisol va aller se nicher sur votre cerveau et là, il va déclencher ce qu'on sait maintenant, des dépressions inflammatoires avec les troubles cognitifs massifs à la clé, qu'en France, encore une fois, nous évaluons avec les bilans neuropsychologiques, c'est extrêmement important. Pourtant, Dieu sait hein, que c'est sur les
publications scientifiques que l'on trouve sur Internet et qu'on entend tous les jours, à la radio, à la télévision, ou que nous voyons passer dans les supports scientifiques auxquels nous sommes abonnés, on le dit. Travailler plus de 70 heures par semaine peut tuer. Travailler plus de 55 heures par semaine est générateur d'infarctus du myocarde. On voit bien que les études scientifiques confirment toutes ces données. Mais ce qu'on voit aussi, c'est la cécité et la surdité de ces directions qui sont pourtant soumises à une obligation de préserver votre santé physique et mentale. Et puis, je crois que c'est le dégât que je trouve le plus triste dans cette affaire, parce que, pour rappeler ce que dit Christophe de Jour, le travail, c'est la construction de la culture et de la civilisation, et que du coup, faire du mauvais travail, c'est malheureusement une manière aussi de porter atteinte à ce que nous donnons à voir de notre civilisation actuelle. Quand on demande à des travailleurs de travailler beaucoup plus vite, avec moins de moyens, moins d'effectifs, eh bien, ils ne peuvent pas bien travailler. Et donc, cela signifie, si on travaille avec la clientèle, de mentir ou de faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Cela signifie être aussi le dos au mur avec un rapport demandé au dernier moment pour l'heure qui suit et qu'on va forcément faire à toute allure. Cela signifie même dans certaines entreprises qui sont en train d'être condamnées, comme Volkswagen, qui avait pourtant une réputation internationale exceptionnelle, d'organiser la tricherie pour arriver à satisfaire le client. Et là, on voit bien que le travail, dont je ne cesse de vous dire à quel point il est central pour protéger votre santé physique et mentale, qu'il est central parce que c'est comme ça que tous les matins, vous vous levez en vous disant, je vais être utile au monde aujourd'hui, je vais servir à quelque chose, le travail que je fais permet quand même au monde de tourner. C'est l'endroit où je viens, pas simplement gagner ma vie, mais rencontrer d'autres êtres humains. C'est l'endroit où je viens montrer qui je suis et ce que je vaux. C'est l'endroit où je me produis moi-même et où en rentrant le soir, même fatiguée, quand je me regarde dans la glace, je me dis, quand même, tu as bien bossé aujourd'hui. Eh bien, quand ça, quand le travail n'est plus l'occasion pour chacun d'entre nous de nous découvrir nous-mêmes, quand c'est plutôt l'occasion de nous découvrir, soit comme lâche, parce qu'on ne dit rien devant ce qu'on fait subir à notre collègue, soit comme pas suffisamment capable de décrire le travail réel lorsqu'on nous demande d'exécuter une tâche dont nous connaissons déjà le médiocre résultat, quand on nous demande de travailler de surcroît sur des instruments qui ne sont pas bons, sur des installations qui sont elles-mêmes dégradées, eh bien tout ceci va produire un travail de sape, un travail de dégradation lente et quotidienne de la subjectivité. Une érosion progressive de ce qu'on appelle l'estime de soi, une difficulté de se trouver digne de ce qu'on fait. En tout cas, une dégradation de l'estime de soi référée aux valeurs d'un travail bien fait, de l'implication par mon travail, de mes collègues, de l'institution, de sa réputation. Parce que quand on ne travaille pas tout seul, on travaille pour une institution, la vôtre est prestigieuse. On travaille pour celui à qui est destiné notre travail. Et donc le travail n'est pas qu'un rapport de soi à soi, c'est un rapport de soi à autrui. Et si on est obligé de bâcler ce qu'on fait, quel sens est-ce que tout cela va avoir? Alors ce qui est désolant, c'est que en face, de toute cette subjectivité que chacun d'entre nous doit mettre dans son travail pour arriver à exécuter la prescription, eh bien, vous avez toujours cette carte mondiale, numérique, quantitative, algorithmique, qui ne dresse qu'un tableau du monde qui est un tableau de bord, un reporting instantané à la nanoseconde, qui ne dit rien
sur la vulnérabilité de notre planète et la vulnérabilité de nos corps humains. Alors, je sais que les méthodes gestionnaires prétendent qu'on peut à terme se passer de nous et que les process, les algorithmes, l'intelligence artificielle, les systèmes experts vont, pourquoi pas, peut-être même bientôt, rendre la justice à notre place. Et qu'il y a une forme de lutte pour implanter cette idéologie. Et que malheureusement, sur le terrain, nous en sommes rendus au silence ou bien rendus à doper notre vitalité au moyen d'artifices pharmacologiques divers. Et qu'en tout cas, ce que ça dit de notre civilisation, c'est un déni du corps, un déni du corps humain, un déni du corps lieu de la vie. Alors, que faire en face de tout ça? Je crois que le dernier rempart, comme toujours, c'est de devenir un salarié averti du fonctionnement de son corps, des règles physiologiques de la santé, du repos, de la certitude que la fatigue n'est pas quelque chose qu'on doit laisser de côté ou passer outre, que c'est une alerte majeure sur l'état dans lequel nous sommes. Et que si, par exemple, vous en êtes rendu à ce que les siestes ou le repos que vous faites le week-end ne résorbent plus votre sentiment de fatigue, c'est que là, vous êtes en train d'entamer les briques de la maison et qu'il faut aller consulter. Que si vous en êtes rendu à avaler plein de trucs, légaux ou illégaux, pour rester à peu près alerte devant votre écran d'ordinateur, là, il faut aller consulter. Que si vous en êtes rendu, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse ce qu'on me demande de faire, mais vraiment, moi, ce travail que j'adorais, c'est fini. Vous en êtes rendu à aller consulter. Et qu'au-delà de cette démarche individuelle, eh bien, il vous revient, il nous revient d'aller piocher dans les démonstrations scientifiques, dans les publications que nous mettons en ligne sur notre site, je vous le rappelle, pour argumenter vis-à-vis de vos directions. Pour dire, vous perdez nos cerveaux en ce moment, pour faire par vos médecins des bilans neuropsychologiques qui attestent que la manière dont on vous fait travailler est en train de porter atteinte à votre intelligence. Et ça va servir à quoi? De vous payer en tant que salarié si votre cerveau n'est plus en état de produire le travail. Et donc, bien évidemment, de vous doter aussi de connaissances sur vos droits, vos devoirs. Vous savez, les devoirs, hein, ils nous sont imposés de façon disciplinaire. Vos droits, vous avez droit à cette déconnexion dans la loi. Et il faudrait nommer des commissions avec des ergonomes, des physiologistes, des gens spécialisés pour déterminer comment est-ce qu'on gère le flux de mails, comment est-ce qu'on gère les tâches, qu'est-ce qu'on interrompt. C'est quoi ces fameuses urgences, toutes plus urgentes les unes que des autres? Qu'est-ce que ça veut dire ce monde de l'immédiateté dans lequel on nous fait vivre? Encore une fois, hein, moi je crois, vous le savez, à la force des pulsions de vie. Je crois que le silence des hommes derrière le bruit des machines, qui est une phrase de Jean Auroux, hein, notre ancien ministre des Travail qui avait créé les CHSCT, est une phrase qu'il faut arriver à compensé par le bruit qu'un syndicat bien formé peut faire. Et je crois donc qu'il faut, encore une fois, prendre le temps de se renseigner sur ce que ça nous fait individuellement et collectivement, que cette hyperconnectivité, parce qu'autrement, elle a aussi ce but effroyable de nous empêcher de penser, de nous mettre la tête dans le guidon. Et je rappelle toujours cette triste histoire de Monsieur de Barros qui s'était jeté au technocentre de Renault dans le bassin central parce qu'il n'en pouvait plus et qu'il a fallu 2 jours pour trouver son corps parce que les 6 000 salariés du technocentre qui passaient sur les passerelles avaient la tête en avant, pris dans le travail, pris dans l'excès de productivité et que ça a été un simple hasard quand l'un d'entre eux a tourné la tête et vu le cœur flotter. C'est vraiment une image terrible, mais aussi tellement significative
de la terrible efficacité de l'intensification du travail et donc de l'hyperconnectivité. Voilà, je vais m'arrêter là et puis si vous le voulez bien, on va pouvoir peut-être, si vous avez des questions, ou essayer d'y répondre. Un tout grand merci, Marie, pour cette formidable exposé. Je vois les commentaires de nos collègues tout aussi enthousiastes pour cela. J'avais moi une question que nous avons abordée tout au long de la discussion sur ce qu'on appelle le new normal, ce qui me semble déjà une définition relativement inquiétante parce que ça va faire devenir normal ce que nous avons pu vivre dans une phase que normal ne pouvait pas être en pleine pandémie. Mais la question qui s'est souvent posée, c'est s'il est possible d'imaginer un droit à la déconnexion qui ne repose pas sur un blocage de l'accès au réseau professionnel. Alors ça, c'est vraiment une réponse très compliquée à donner parce que on a bien vu hein, qu'il n'y a déjà pas de déconnexion psychique, hein, mentale, vis-à-vis du travail. Même dans la meilleure organisation du monde, la plus carrée, la plus honnête, la plus respectueuse, se déconnecter du travail quand on rentre chez soi, si on a vu un patient difficile ou si on a un dossier compliqué à traiter, ça va vous prendre la tête. Vous allez avoir du mal à vous endormir, ça vous réveillera la nuit. Et tant que vous n'aurez pas trouvé comment visser les coups, comment soigner le patient, parce que c'est ça le travail, ça va vous travailler. Donc déjà, de base, nous n'arrivons pas psychiquement à nous couper complètement de ce travail mental qui peut être conscient ou inconscient. Quand on dit ça nous travaille, on n'a pas forcément le sujet conscient à la tête, mais on sent bien qu'une partie du psychisme, comme dans le travail du deuil d'ailleurs, est occupée à régler cette affaire-là. Alors, comme déjà ça, c'est compliqué à traiter et que c'est justement parce que l'organisation du travail va mécaniquement couper le salarié que ça laisse, hein, sauf pour les plus anxieux, une possibilité de s'oxygéner. Vous imaginez quand l'organisation du travail a décidé que la norme, ben, ça allait être d'être connecté 24 heures sur 24 quasiment, ne serait-ce que parce qu'on discute avec des gens qui sont à l'autre bout de la terre et qu'avec les décalages horaires, ben, il faut être réveillé toute la journée. Donc c'est une question très compliquée parce qu'elle intrigue le fonctionnement psychique humain qui ne baisse pas son rideau de fer si facilement que ça pour fermer l'épicerie, ça n'existe pas dans le psychisme humain. Ça n'existe pas non plus dans le cerveau. Quand le cerveau est en alerte, si on l'a laissé en alerte à des heures qui ne sont pas les bonnes, si on a trop regardé son portable avant de s'endormir, on ne s'endormira pas. Voilà, il y a des connaissances physiologiques à avoir. Et puis après, il y a les buts poursuivis par l'entreprise. Alors, comment faire, si ce n'est être pédagogue en permanence et en plus de la coupure dite mécanique qui ne va rien régler de l'anxiété qui restera dans la tête, et bien très régulièrement former les salariés à avoir du recul sur toute cette affaire-là, à soigner s'ils ont des tableaux d'anxiété et de dépression, bien sûr, mais surtout à faire prendre de la distance et à rappeler qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a la vie de famille, il y a quand même des pays beaucoup plus vertueux. Moi, je le répète souvent, mes grands-fils sont au Canada, ma fille est en Hollande, on finit de travailler à 17 heures. Et donc, ça laisse une vraie belle partie de la journée pour faire beaucoup de choses qui vont permettre d'évacuer les cartons lourds du travail dans la tête. Ça laisse le temps de faire du sport, de récupérer les enfants, de leur faire faire les devoirs, d'avoir des activités en famille, de dîner. Enfin, voilà, ça laisse du temps à la vie. Et là, c'est un bras de fer philosophique à mener quasiment en permanence, avec, attention, le danger d'aller vers des prothèses comme le développement personnel. On va vous faire faire de la méditation de pleine conscience, au travail d'ailleurs, comme ça vous allez récupérer une fraîcheur cognitive, vous allez faire du yoga,
Je ne dis pas que tout ça, ce n'est pas bon, hein. Mais si vous pensez que ça va limiter les dégâts de l'hyperconnectivité, non. En fait, c'est une vigilance, une information, une pédagogie permanente et une attention aux autres qui peut permettre de lutter contre ça. Donc, sur cette question-là, je ne suis pas optimiste, forcément. Et alors, en liaison directe avec cela, qui était aussi un des thèmes que nous avons abordé en profondeur, quelle est la relation que l'on peut établir entre les souhaits d'une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail et les risques que cela produise un excès de connectivité? Je m'explique. Dans la décision que nous avons négociée, pour que chacun puisse en quelque sorte adapter son rythme de travail à ses habitudes, à ses engagements familiaux, l'idée était d'établir une plage horaire très étendue de 8 h du matin à 7 h du soir, non pas pour que tout le monde travaille en dehors de cette plage horaire en permanence, mais pour que chacun puisse théoriquement organiser ses 8 h de travail en dehors de cette plage horaire très étendue. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'être libre à 5 h d'après-midi, comme tu viens de le demander. Il y en a qui ont plus besoin d'arriver un peu plus tard au bureau parce qu'ils doivent amener leurs enfants, ou d'autres qui ont besoin de pauses en cours de matinée ou d'après-midi. Et le défi qui a été le nôtre dans la discussion, c'était qu'une idée qui pouvait paraître répondre aux besoins des collègues pouvait à la fin devenir une sorte de stand-by duty, une obligation d'être tout le Bien sûr, temps bien sûr. connecté. Alors, c'est très intéressant ce que tu évoques parce que le technocentre de Renault, construit par Renault avec un architecte, un terrain acheté par Renault, avait une organisation du travail de ce genre, hein, une amplitude horaire d'ouverture très large, justement à cause de la connexion avec d'autres pays, mais aussi pour que chacun puisse venir travailler quand il voulait. Sauf que les cadres n'avaient pas de bureau attribué et devaient s'arrêter à la conciergerie tous les matins pour prendre la clé du bureau qui était libre. Et donc ça a eu pour effet, mais tout ça s'est travaillé dans les grands cabinets, hein, nos Fab Four, KPMG, Deloitte et Touche, enfin les grands cabinets de construction de ces organisations. Ça faisait venir les gens très tôt pour qu'ils puissent toujours avoir le même bureau. Et puis de toute façon, ça vient heurter encore une fois la position fautive biblique de l'être humain. Bah, s'il y a des gens qui sont là à 8 heures, il faut que je sois là à 8 heures. Et puis plein de mécanismes psychiques qui sont très bien analysés par des gens qui font mon métier, mais qui travaillent dans ces boîtes de construction d'organisation, des criminologues, des comportementalistes. Hein. Je vais y aller plus tôt, je vais me connecter comme ça. Je vais me débarrasser de ce que j'ai à faire et je pourrais peut-être me déconnecter. Enfin, on sait que ces organisations du travail viennent chercher la culpabilité première chez l'être humain et Dieu sait qu'elle est bien distribuée. On sait qu'un enfant de 5 ans dont les parents divorcent va se sentir coupable de la séparation de ses parents. Donc ça n'est pas très compliqué quand on met tout ça en place en prétextant que c'est vertueux, sans te prendre en compte le fait que l'être humain, de par son fonctionnement, va toujours se dépêcher de se connecter pour en finir, et donc en fait jamais en finir, ce serait très hypocrite que ce qu'ils prétendent le contraire. Je crois que c'est fondamental de comprendre ça et d'y être très attentif parce que les cercles vicieux apparaissent toujours, les effets pervers apparaissent toujours avant les aspects vertueux, c'est ça l'ennui. Si la plage d'ouverture à l'intranet de l'entreprise est de 8 heures à, je sais pas moi, 21 h, 22 heures, ben les gens vont être connectés tout le temps. C'est plus fort. C'est déjà le cas dans la pratique privée de ces smartphones. C'est déjà le cas. C'est terriblement compulsif, ces outils. Et justement, parmi les effets pervers, comme Blandine les mentionne, il y a celui, une sorte de soft law. On n'oblige pas, Non. mais on récompense ceux qui le font. Ça devient une sorte de message subliminal. Tout On à fait. t'oblige pas à être connecté 12 h par jour, mais si tu ne l'es pas, tu ne peux pas
prétendre à une promotion avant les autres qui sont eux et elles connectés 12 heures par jour. Bah, au passage, en tout cas en France, ça, ce serait discriminatoire. Si la prime est pour ceux qui se connectent plus que la norme, hein, c'est discriminatoire. Donc, vous voyez comment il faut sans cesse déconstruire, déconstruire, déconstruire ce que ces nouvelles organisations du travail liquide, c'est le grand mot à la mode, génèrent. Si vous voulez trouver un argumentaire, parce que vraiment c'est très bien développé dans ce livre, hein, lisez ça. Je trouve que pour des syndicats, ça apporte des billes de compréhension et de mise en avant des effets pervers de ce qui se passe actuellement, puisqu'encore une fois, c'est le grand mot là-bas, le travail va être souple, il va être liquide. En fait, il est pas liquide, il est disloqué, il nous disloque. Et il engage surtout une hyper-présence au travail. Il y a Hermia qui souligne que cette mentalité totalement déformée commence dès l'école où on passe Sûr. ce même message aux enfants. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, il y a une blague en français, nos enfants rentrent à la maternelle et dans le milieu des cadres, j'ai beaucoup de jeunes femmes cadres en psychothérapie, qu'est-ce que tu as choisi comme maths sup pour tes enfants? Mathsup, c'est une école préparatoire très connue hein, en France, qu'on fait avant d'entrer dans les écoles de cadres. Et donc, ces jeunes femmes cadres, quand elles parlent de l'école maternelle où elles vont mettre leur enfant, elles le formulent comme ça. Dans quel Mathsup tu vas mettre tes enfants? Donc là, voilà, l'esprit qui est celui qui règne dans nos organisations du travail, il est inculqué dès l'enfance. Et je vois aussi une autre question très pertinente. Quelle est la liaison entre cette mentalité détournée et ce triomphe de la résilience qui est parfois dit? Ah, ben oui, mais vous savez, c'est une société très habile qui va, en même temps qu'elle vous apporte la novlangue managériale de l'opportunité de briller, d'être toujours au top, de la performance, va vous apporter en parallèle la novlangue psychiatrique supposée consoler tout ça. Et donc, c'est la résilience. Quand on sait à quel point c'est compliqué hein, dans les situations traumatiques et à combien de ressources collectives, individuelles, sociales il faut recourir pour dépasser un événement difficile dans l'enfance ou à l'âge adulte, un seul mot pour tout dire, comme c'est simple, c'est comme le mot stress hein, qui pasteurise et anonymise la complexité de ce qu'un travail douloureux fait au corps et au psychisme, bah la résilience, ça rend tout simple, hein, la qualité qu'il faudrait à tout prix posséder ou peut-être un jour acheter en magasin pour arriver à tenir dans ce monde-là. Il faut faire très attention à ce vocabulaire. De la même manière que maintenant, au lieu d'être sur une étude très poussée hein, des conséquences psychiques, on va avoir un syndrome par situation. Donc vous avez le burn-out, le bore-out. Enfin, on va créer comme ça des étiquettes sur les bocaux que nous sommes devenus, qui bien évidemment sont tentantes, parce que quand on n'a pas fait d'études de psychiatrie ou de psychologie, avoir le nom du syndrome dont on pense être atteint, le syndrome de l'imposteur, et où on a croisé un pervers. Vous avez vu à quel point notre vocabulaire quotidien s'est psychiatrisé. Et donc voilà, la résilience, c'est le truc qu'il faudrait avoir pour tenir. Au lieu de dire, non, ce que vous me faites faire n'est pas tenable. C'est là le danger. Mais vous voyez bien que tout ceci renvoie à l'effacement du politique au sens large, hein. Pas des courants d'orientation qui m'intéresse pas du tout, mais plutôt à l'action dans la cité. Aller chez le psychiatre plutôt que d'aller chez l'inspecteur du travail pour soigner ce qui se passe au travail, c'est embêtant. Et vous voyez, c'est celle qui a créé 200 consultations de souffrance au travail qui vous le dit. Dans nos consultations, ce qu'on essaye de transmettre à nos patients, c'est des connaissances très poussées sur ce qui se passe, des outils de déconstruction. Et pour cela, il faut du temps. Il faut un cerveau au repos. Il faut donner du temps à ce cerveau. Tout est fait.
pour qu'on n'ait pas le temps de penser, encore une fois. Donc peut-être que la première des batailles, et c'est peut-être un peu ce que vous faites avec ces conférences, c'est de renouer avec l'activité, de penser ce qui se passe. Ça ira déjà mieux. Tout à fait. Je prends la dernière question parce qu'on est presque à la fin. Et Nathalie te demande d'évoquer les liens entre hyperconnectivité et insomnie. Ah ben ça, alors ils sont multiples. L'hyperconnectivité active, ça n'a rien d'extraordinaire à comprendre, les zones de la vigilance. Donc si on reste dans l'hyperconnectivité ou dans la connectivité excessive déjà au travail, et qu'après, pour se distraire, parce qu'on ne va pas se cacher, on va sur ces petits engins, sur ces petits réseaux sociaux. D'abord, on stimule les zones, le chiasma optique, on stimule les zones de la vigilance, et donc le cerveau n'arrive jamais à redescendre, sauf à coup de somnifères, de cannabis, d'alcool. Vous avez tout le choix dans les trucs qui pourraient vous assommer un peu. Et puis surtout, l'hyperconnectivité accroît la quantité de problématiques professionnelles à régler. Et tout ça, ben, ça fait du travail dans la tête, ça préoccupe, ça occupe le cerveau, mais ça préoccupe le psychisme. Et donc, vous n'arrivez plus à rentrer très doucement dans la descente nécessaire au sommeil. C'est bien pour ça qu'il faudrait surtout plus rien regarder au moins 2 heures avant le moment où on va se coucher, au mieux écouter de la musique, mais en tout cas cesser de stimuler. Nous sommes hyper stimulés, hein, en permanence sur le plan visuel et sur le plan cognitif. C'est très, très, très mauvais. Donc l'insomnie, elle est mécanique. Le cerveau n'arrive plus à redescendre. Je n'ai pas d'autre mot, sauf avec des produits dont il faut augmenter les doses au fur et à mesure. C'est bien pourquoi un burn-out avec la massivité de l'insomnie va prendre 18 mois, hein, à guérir. Voilà, oui, comme le dit Hermia, il y a un énorme travail aussi pour que tout cela soit pris au sérieux, Oui, soit considéré comme étant bien sur sûr. des bases scientifiques. C'est bien pour ça que les réseaux que tu animes et tes compétences aussi au niveau des procédures judiciaire sont la meilleure garantie que Tout on à discute fait. pas des principes vagues, mais on discute des cas réels qui ont un impact absolument évident sur la vie, mais même sur les décisions qui sont adoptées. Bien sûr. Il n'y a rien de plus clair pour faire passer les messages que citer des arrêts, des condamnations. C'est Tout ce à qui fait. bouge beaucoup plus Sûr. que les soucis de santé des travailleurs qui ne semblent pas être la priorité de Non. tout le monde, malheureusement. Non, malheureusement, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'en occupe soi-même aussi, hein. Voilà. Tout à fait. Bon. En te remerciant encore une fois, Marie, pour cet exposé que les collègues ont apprécié. On est encore une centaine de participants à cette heure-ci, ce qui est tout à fait important. Nous donnons rendez-vous pour lundi prochain. Lundi prochain. Et encore félicitations pour la Légion d'honneur absolument méritée qui a été octroyée à votre réseau. Bien, merci beaucoup et à lundi prochain et ravi de vous retrouver en tout cas. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci à tous les collègues qui ont participé. Merci. Merci, au revoir.